en direct du palais de justice de la Macropole, suite à l'accident de notre président et aux vagues de contestations qui ont gagné les rues, nous retrouvons le jugement dernier pour un procès historique. Les plus grandes sommités scientifiques de la planète sont appelées à témoigner, afin de définir la place de l'intelligence artificielle dans notre macropole. Sous l'œil bienveillant et avisé du jury populaire, c'est Edgar Davut qui ouvre la séance. Mesdames, messieurs, chers macropolitains antennes, levez-vous s'il vous plaît, pour accueillir la cour. L'audience de ce jour sera présidée par l'éminent juge Mandernier, accompagné des assesseurs Pour et l'échafaud. La défense sera assurée par Maître Étalon, et le ministère public sera représenté par Madame la procureure Eka. Mesdames et messieurs, chers macropolitaines, bienvenue. Je procède sans plus tarder au rappel des faits. En 2047, Martin Nasmuch, neurochirurgien de renommée internationale, se retire de la vie scientifique et médiatique et médicale pour se consacrer à la vie politique. Immédiatement élu président de la Macropole, il présente 3 ans plus tard un bilan plus qu'élogieux. Mais voilà, lors de la présentation de ses vœux de rentrée il y a quelques semaines, Martin Nasmuch est victime d'un bug. En direct, devant les caméras de télévision. Régie, s'il vous plaît. Macropolitaine, je suis heureux de m'adresser devant vous aujourd'hui afin de vous présenter mon bilan, mon formidable bilan, car personne ne peut l'ignorer. Notre macropole enregistre une croissance sans précédent depuis quelques années maintenant. Croissance de la population, certes. Croissance économique aussi. Et surtout, une durable croissance et sécurité de plein emploi porté et bien-être. En bref, fait d'une Enchaînant, s'il vous plaît, la cour s'impatiente. Après de nombreux examens anthropomédicaux, les médecins experts découvrent qu'ils n'ont pas entre leurs mains Martin Nasmuch, mais son frère jumeau, Eddie Nasmuch, tombé dans un état neurovégétatif suite à un accident de véhicule autonome survenu quelques années auparavant. Eddie Nasmuch n'étant pourtant pas un miraculé, ou s'agit-il peut-être d'un miracle technologique ? Car de rebondissement en rebondissement, après moult études enquêtes approfondies, nous apprenons que Martin Nasmuch, aidé de son assistante de l'ombre Marguerite Faustus, avait relié en toute clandestinité ce jumeau de chair et d'os à une intelligence artificielle, dissimulée dans la prothèse de son œil artificiel. C'est donc ce frère, enfin, cette intelligence artificielle, qui dirigeait notre macropole depuis 3 ans. Tout va très très bien. Et mieux que très très bien, mais certes, on avait tous été trompés. Martin Nasmuch ne siégera pas au banc des accusés ce soir, puisqu'il s'est suicidé. Nous pourrons toutefois juger de la culpabilité de Marguerite Faustus dans cette tromperie. Mais suffisit, dura lex sed lex. Nous aurons donc à statuer sur 2 choses. Et je demande votre attention. Sur la responsabilité de mademoiselle Marguerite Faustus, certes, mais et surtout, nous devrons prendre ensemble, car je vous nomme tous ce soir, jury populaire, une décision d'ampleur inégalée. Acceptons-nous de nous laisser gouverner par une intelligence artificielle? Déciderons-nous ce soir de la débrancher ou de continuer à lui laisser la gestion de la macropole? J'appelle donc à la barre, et sans plus tarder, mademoiselle Marguerite
Faustus. Objection, votre honneur. Ma cliente ne peut pas être poursuivie pour les actes de Martin Nasmuch. Monsieur l'avocat, je m'oppose à votre objection, enfin. Je vous rappelle qu'en droit français, les objections n'existent pas. Pas faux. Objection rejetée. Nous jugerons donc de la culpabilité de mademoiselle Faustus. J'appelle donc à la barre de rechef, et sans plus tarder, mademoiselle Marguerite Faustus. Pas la peine, votre honneur. Ma cliente invoque le 5e amendement. Objection. Et refuse de témoigner contre elle-même, ce qui est son droit le plus strict. Objection, 5e amendement, mais vous croyez aux Amériques ? Pas faux. J'appelle donc à la barre de rechef et sans plus tarder, madame Marguerite Faustus. Elle sera donc, puisqu'elle n'est pas là, jugée par contumace et ne pourra pas faire appel. Entrons donc dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, maître Étalon. Il est temps de définir exactement ce dont on parle. C'est quoi l'intelligence artificielle ? Et d'ailleurs, c'est quoi l'intelligence ? J'appelle donc à la barre M. Cédric Brun. M. Edgar Davu, veuillez officier, s'il vous plaît. M. Brun, veuillez décliner votre identité et jurer sur la Bible du programmeur, de faire état de votre savoir, rien que de votre savoir, et de tout votre savoir. Moi, Cédric Brun, chercheur en philosophie des sciences, je jure de faire état de mon savoir, rien que de mon savoir et de tout mon savoir. Monsieur Cédric Brun, je serai direct. C'est quoi l'intelligence ? Alors, en première approximation, monsieur le président, on peut dire que l'intelligence, c'est la capacité à utiliser une expérience passée pour s'adapter à une situation nouvelle. Par exemple, si Alfred fait X fois la même erreur dans la même situation, on pourra commencer à avoir des doutes sur son intelligence. S'il est en revanche capable de s'adapter à un changement dans son environnement pour réaliser une tâche, en utilisant des ressources parfois non proposées immédiatement, mais qui font appel à ce qu'il a appris par ailleurs, là, dans ce cas-là, Alfred fait preuve d'intelligence. Est-ce que tout cela veut dire qu'il n'y aurait qu'une seule forme d'intelligence ? Ah, vaste question. Le peintre Edgar Degas aurait dit un jour « Le jour où l'on a commencé à écrire intelligence avec un I majuscule, on a été foutu. » Je pense qu'effectivement, on a l'intelligence de ceci ou de cela. Dès qu'on parle d'intelligence avec un I majuscule, on fait une catégorisation en fait, entre ceux qui sont intelligents ou qui ont cette intelligence et ceux qui l'ont moins ou pas du tout. Il y a des animaux, il y a des humains, ça nous permet de faire une belle catégorisation. Et dans les humains, il y a ceux qui sont intelligents et ceux qui sont moins. En tant que philosophe, j'ai du mal à admettre l'unicité de l'intelligence. Le pluralisme me paraît plus intelligent, plus pertinent. L'intelligence est multiple. Parmi les humains, certains ont plus de facilité dans les rapports humains, d'autres dans l'analyse logique. Ce que je veux dire, c'est que vouloir faire une liste exhaustive des intelligences, c'est sans doute pas une bonne idée. Pas plus que de définir l'intelligence comme le fait un test de quotient intellectuel, qui ne mesure finalement que des performances logico-mathématiques et linguistiques. L'intelligence est aussi le résultat d'un apprentissage, d'un développement, d'un milieu. Dès qu'on va vouloir la mesurer, il faudrait donc spécifier le type de domaine, d'aspect du comportement dans lequel s'inscrit cette intelligence. Alors, monsieur Brun, ce que nous voudrions savoir aujourd'hui, c'est si une intelligence artificielle est possible. Ah, j'y viens. Tout cela est lié, en fait. Quand je parle d'intelligence au pluriel, finalement, c'est parce que si on considère certains types d'intelligence définis précisément, il est certain qu'une intelligence artificielle peut tout à fait être possible. On le voit dans le fait que les intelligences artificielles ont déjà surpassé les humains dans de très nombreux domaines. Par exemple, les jeux, comme les échecs, le go, le poker également. Alors, si je vous suis bien, et je pense le faire... Non seulement une intelligence artificielle est possible, mais elle est supérieure à l'intelligence humaine. Dans ces conditions, mesdames et messieurs les jurés, je crois que les débats vont pouvoir être clos rapidement. Maître, je ne suis pas certain que ma réponse va permettre de clore les débats, car je parle ici d'IA faible. Faible ? Mais vous venez de dire qu'elle avait déjà surpassé les humains. Alors, essayons d'expliquer un petit peu. Une intelligence artificielle faible... C'est une sorte d'intelligence, ou une machine en tout cas, qui se concentre sur une tâche spécifique que l'on juge intelligente. Certaines machines peuvent effectivement devenir expertes dans un domaine très précis,
mais ne savent pas faire autre chose, en fait. Comme nous les entraînons sur un certain nombre de tâches, de plus en plus compliquées, ces systèmes nous semblent intelligents. Mais attention, on gardera à l'esprit que ces systèmes sont entraînés à réaliser des choses très très spécifiques, générer un texte descriptif pour des images, par exemple, ou planifier un chemin sur un GPS. C'est très différent de l'intelligence humaine, ou animale d'ailleurs, qui nous permet de nous adapter à de nouvelles situations. Mon GPS ne pourra jamais comprendre les images que je vais lui présenter. Et inversement, une IA de reconnaissance d'images ne pourra pas me donner mon chemin pour me rendre, par exemple, à la prochaine audience. Si votre question, maître, portait donc sur la possibilité d'une IA ou d'une intelligence artificielle générale, alors là... Intelligence générale ? Oui, enfin, bon, par opposition à l'IA faible, on parlera parfois d'IA forte, ou d'IA générale. Hein, ça désigne en fait une machine à nouveau, mais qui serait capable d'appliquer l'intelligence à tout problème plutôt qu'à un problème spécifique ou à un domaine spécifique de problème. Et ça, ce n'est pas possible. Ah, à la question « une IA générale est-elle possible ?», je suis désolé, je ne peux pas vous répondre. Eh bien, vous allez faire un effort, s'il vous plaît. Comment vous dire ? Sur la base des travaux des informaticiens, des chercheurs en sciences cognitives, en philosophie des sciences cognitives, je suis désolé, j'ai juré tout à l'heure, je ne sais pas. Je vous remercie, monsieur Cédric Brun, vous pouvez disposer. J'appelle maintenant à la barre monsieur Nicolas Rougier. Monsieur Rougier, veuillez éclairer nos lanternes, je vous prie, avant cela, jurez sur la Bible du programmeur de faire état de votre savoir. Tout votre savoir et rien que votre savoir. Moi, Nicolas Rougier, chercheur en neurosciences computationnelles, je jure de faire état de mon savoir, rien que de mon savoir et de tout mon savoir. Monsieur Rougier, veuillez donc éclairer notre lanterne et merci de le faire de manière brève et claire. C'est quoi exactement une intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques informatiques qui permettent de réaliser des tâches que nous considérons comme relevant de l'intelligence. D'accord, mais encore. Bien, au début de l'IA, c'est-à-dire dans les années 50, certains chercheurs considéraient que le jeu des échecs était un marqueur de l'intelligence humaine, et donc que si on arrivait à battre le champion du monde d'échecs, alors on aurait résolu une bonne partie du problème. Oui, Kasparov, me semble-t-il, s'est fait battre par Deep Blue en 1997, qui était une intelligence artificielle, si je me souviens bien, non ? Tout à fait, monsieur le président. Quelle culture ! Oui, merci, je travaille bien mes dossiers. Mais c'est tout à votre honneur, votre honneur. Et cet événement a bien montré la difficulté à définir l'intelligence. Pour le dire simplement, à l'époque, on appelait intelligence tout ce que, justement, l'IA ne pouvait pas faire. Puisque le champion du monde est maintenant un programme informatique, on ne va plus parler d'intelligence. En fait, le terme d'intelligence artificielle a été mal choisi au départ et prête maintenant à confusion. Car il y a eu un grand tournant à la fin des années 2010, l'IA est depuis composée, un peu comme notre cerveau, de plein de petites entités connectées. Et on entraîne ces petites entités avec des tonnes d'exemples. Elles créent leur propre fonctionnement et on a maintenant suffisamment de puissance de calcul et de données pour les faire fonctionner à peu près correctement. À peu près correctement ? Oui, à peu près correctement. Et en fait, l'IA est entrée dans nos vies à partir de, enfin, bien avant de 2010, avec par exemple les robots aspirateurs autonomes ou bien les applications sur le téléphone qui prédisent les mots qu'on veut taper ou encore l'application bancaire qui décide ou non de vous accorder un crédit. C'est formidable. Et nous n'en sommes qu'au début, j'imagine. Alors oui, on envisage beaucoup d'applications, par exemple les voitures autonomes, mais là, c'est... Pas pour tout de suite, parce que c'est encore un peu trop compliqué. Mais je croyais que ça marchait déjà. Alors oui, mais non. On les a lancées et on en a décommercialisé certaines suite à trop d'accidents. Donc on peut avoir des aides à la conduite, comme on peut avoir des aides à la décision par les IA, mais pour la conduite autonome, ça marche pas tout à fait. Je le savais. Ça ne marche pas tout à fait. Il y en a beaucoup dans la nature, des intelligences artificielles qui ne marchent pas tout à fait. Alors, dans les labos, y en a plein. Dans la vraie vie, normalement, il y en a un petit peu moins. Normalement, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, normalement ? Que vous ne savez pas ? Une des difficultés qu'on a aujourd'hui avec l'informatique en général et avec l'IA en particulier, c'est qu'on ne peut pas garantir le fonctionnement à cause des corpus qui peuvent être biaisés. Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est, ça, des corpus biaisés ?
Alors, certains algorithmes sont capables de se modifier à partir des exemples qu'on leur présente. Et si ces exemples comportent un biais, eh bien, ils vont reproduire ce biais. Par exemple, si on veut qu'une intelligence artificielle rende des décisions de justice, il faut lui donner les jugements passés. Si ces exemples sont biaisés contre une certaine catégorie de population, disons au hasard les classes sociales les plus défavorisées, alors la machine pourra et fera la corrélation que être pauvre, ça veut dire être coupable. Alors, dit comme ça, ça paraît évident que ce n'est pas ce qu'on veut faire, mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours conscience de ces biais dans les exemples qu'on utilise. Pourtant, M. Augier, il existe bien des domaines où l'intelligence artificielle est supérieure à l'intelligence humaine. Oui, sur certaines tâches très spécifiques, les IA sont en effet supérieures. Surtout dans les cas de tâches qui demandent des raisonnements répétitifs et une grande capacité de mémorisation. Si elle est assez entraînée, une IA peut nous surpasser dans plusieurs domaines. Elle peut prendre, par exemple, des décisions plus profitables sur le marché financier. Mais elle est limitée. Il lui manque la polyvalence, la souplesse et la flexibilité. Donc, s'il y a un changement de contexte, une IA va simplement arrêter de marcher ou donner des réponses sans aucun sens. Par exemple, une IA qui peut jouer aux échecs ne saura pas quoi faire sur le marché financier. Ou pire, elle pourra essayer de jouer aux échecs avec les actions de la bourse. Mais il me semble que c'est déjà parfois le cas, non ? Objection, votre honneur. Objection. Pardon, non, scandale. Scandale, votre honneur. Scandale. C'est une pure spéculation. Accordez, madame la procureure, vos propos sont hors de propos. Excusez-moi, monsieur le président, ça m'a échappé. Très bien. Monsieur Rougier, ce que je comprends dans ce que vous nous dites, c'est que les chercheurs eux-mêmes ne savent pas et ne comprennent pas ce que font leurs algorithmes. Alors oui, il faut bien admettre que dans une certaine mesure, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours expliquer pourquoi une intelligence artificielle prend telle ou telle décision. En revanche, on remplace de plus en plus d'activités, de fonctions, de comportements intelligents par des programmes ou des artefacts spécialisés. Et on sait que un certain nombre de métiers sont voués à disparaître car on pourra les automatiser à plus ou moins long terme. Et c'est par exemple déjà le cas pour la finance. Alors faut-il se réjouir de la disparition des traders ? Je ne suis pas là pour le dire, mais il est presque certain que ce métier va disparaître. En revanche, pour les plombiers, ça devrait beaucoup mieux se passer parce que la plupart des robots ne sont pas étanches et en plus, c'est vraiment des billes en plomberie. Donc, vous confirmez, il va y avoir de plus en plus d'insuffisance d'intelligence artificielle. En tout cas, on en prend clairement la direction. La question est de savoir où est-ce qu'on s'arrête. Merci, monsieur Rougier. C'est justement ce dont nous devons débattre maintenant. J'ai parfois l'impression de nager en pleine science-fiction dans ces débats. Et donc, appelons à ce sujet madame Natacha Vasdeir. Oh, bonjour Natacha. Bonjour, monsieur le président. J'espère que vous allez bien. Je vais très très bien, monsieur le président. Veuillez, je vous en prie, si ça ne vous dérange pas trop, décliner votre identité et jurer sur la Bible du programmeur de faire état de votre savoir, rien que votre savoir, et tout votre savoir qui est immense. Bien sûr, bien sûr. Moi, Natacha Vasdeir, spécialiste de la science-fiction littéraire et cinématographique, enseignante et chercheuse à l'université, je vous jure, monsieur le président, de faire état de mon savoir, rien que de mon savoir et de tout mon savoir. Madame Vasdeir, je commencerai par une petite question naïve. La réalité est-elle affaire de science-fiction ? Alors, c'est une question qui est loin d'être naïve, monsieur le président. Je vous remercie. Les chercheurs, de rien. Les chercheurs ne confondent pas la fiction, les histoires inventées de la littérature, du cinéma ou des séries avec la réalité de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas forcément le cas du grand public et des médias. La représentation qui se forme dans l'esprit du grand public est issue en réalité de la science-fiction, des œuvres créées depuis la fin du 19e siècle. La science-fiction a construit un rapport aux machines totalement ambivalent, car fondée à la fois sur le complexe dit de Frankenstein et sur l'empathie machinique. Empathie machinique, pardonnez mon manque de savoir, Natacha, mais peut-être pourriez-vous donner un petit peu plus d'explications je vous explique, je vous explique merci de beaucoup. Suite. Alors,
je m'explique, oui. Pour l'écrivain Isaac Asimov, le complexe de Frankenstein est celui de la machine qui se révolte contre l'humanité. L'empathie machinique, à l'inverse, c'est l'idée qu'une machine, intelligence artificielle ou robot, entretient un lien émotionnel avec l'humanité, qu'elle est prête à tout pour nous aimer, pour nous protéger, comme nous pouvons le voir par exemple dans « Intelligence artificielle » de Spielberg, où nous avons une IA enfant, ou encore « L'homme bicentenaire », Wall-E, Eddie Nasmuch par ailleurs, etc. Notez bien d'ailleurs que la science-fiction d'aujourd'hui ne reproduit plus cette image de l'ordinateur centralisé, mais plutôt une IA dématérialisée, présente dans de petites unités partout et nulle part, comme par exemple dans le film « Her » de Spike Jonze. Permettez, Natacha, vous permettez? Oui, oui. Bien. Ne sont-ce pas justement ces deux visions complexes de Frankenstein et empathie machinique qui s'opposent dans ce tribunal? Plus ou moins, monsieur le Président, plus ou moins. En fait, ces représentations sont des images fictionnelles qui se confondent avec la réalité et qui viennent nourrir des discours comme celui notamment de la peur des machines. Mais elles ne sont pas la réalité parce que la science-fiction, elle enrichit nos fantasmes et nos rêves. Mais il faut faire la part des choses. Il faut entendre l'imaginaire pour se poser des questions. Mais les politiques et les économistes lisent-ils de la science-fiction? Je ne doute pas et je ne crois pas et j'en doute fortement. Mais moi, en tout cas, j'en lis et je trouve ça formidable. Oui, et alors? Mais alors, c'était juste pour, comme ça, pour dire, quoi. Oui, mais peut-être que ce n'est pas juste pour dire, justement. L'imaginaire entretient deux types de relations à la réalité. Celle qui permet de s'abstraire de la réalité, certes, mais il y a aussi le fait d'imaginer ce qui n'existe pas encore et de construire le monde de demain. C'est ce que font les scientifiques et aussi certains auteurs de science-fiction, comme Orwell, par exemple, avec 1984, ou encore Léonard de Vinci. Tiens, Léonard de Vinci, auteur de science-fiction, et Jules Verne, par exemple. Imaginons. Anticipons donc, si vous le préférez, la possibilité du tout data. C'est bien pour cela que mon collègue Nicolas Rougier vous posait la question à l'instant. En veut-on encore plus? Veut-on aller jusqu'à ce qu'on appelle la singularité, c'est-à-dire ce moment unique d'une évolution autonome et accélérée où l'intelligence artificielle surpasserait Sapiens en intelligence et prendrait en main son propre destin ainsi que le nôtre? Mais Mme Masdar, n'êtes-vous pas là en train de nous faire passer précisément la fiction pour réalité? Cette singularité a été théorisée et anticipée dès les années 1970, où, pour rappel, la consommation de LSD était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Alors je crois que pour l'heure, personne ne peut dire si et quand cette singularité aura réellement lieu. Mais la question est posée. Comment imaginer une intelligence artificielle autonome et évolutive qui stopperait son évolution au seuil même de devenir super intelligente? Bien, Natacha, bien, bien. Votre intervention était vraiment plus que parfaite et mériterait, si vous me le permettez, d'être approfondi un petit peu plus tard. Merci, chers experts témoins, pour avoir su mettre l'intelligence au pluriel. Et à propos de pluralisme et d'intelligence, vous souhaitiez, monsieur l'avocat de la Défense, appeler un témoin, je crois. Oui, monsieur le Président, j'ai effectivement fait citer un témoin singulier en exclusivité macropolitaine dans la personne de Nao, le petit robot. Ah oui, je me demandais bien ce que ce jouet faisait à la barre. Je ne suis pas un jouet, monsieur le président. Je suis une petite chose toute mignonne dotée d'une intelligence. Artificielle soit, mais d'une intelligence tout de même. Encore une. Bon, enfin, Nao, veuillez décliner votre identité et jurer sur la table des trois là d'Asimov Campbell, d'en respecter leur contenu, rien que leur contenu, et tout leur contenu. Salut, c'est moi, Nao. Je suis le petit robot qui rend service de la crèche à l'hospice. Premièrement, je jure de ne blesser aucun être humain.
ni de permettre, par mon inaction, qu'un humain soit blessé. Deuxièmement, je jure d'obéir aux ordres qui me sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Troisièmement, je jure de protéger mon existence, tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Et grand merci, Nao, de ce rappel des lois qui vous gouvernent, vous les robots. Et comment ça va depuis la dernière fois? Salut, Eve. Ça va. Quoi qu'en ce moment avec tout ce qui se passe, c'est un petit peu le bazar dans mes circuits. Mais on fait aller comme on dit à l'EHPAD. Et toi, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on... Non, mais je vous en prie, gardez vos échanges personnels pour d'autres lieux. Nous ne sommes pas dans un salon de thé ce soir, me semble-t-il. Excusez-moi, Monsieur le Président, puis-je me demander de me permettre, pardon, de demander où est Pepper? Aurait-elle refusé de comparaître? Mais pas du tout. Pepper, le grand robot, s'excuse de son absence pour cause de nanogrippe virale. Nao, as-tu quelque chose à ajouter à ce que Pepper nous a révélé dans son interview sur tout le bien que vous pouvez faire, vous les IA, robots et autres congénères pour nous, les humains? Non, je suis d'accord avec Pepper. Nous faisons ce que vous voulez. Nous faisons beaucoup. Et chaque jour, nous progressons pour mieux faire. Justement, Nao, raconte-nous par exemple, puisque c'est ton domaine, ce que peut faire l'intelligence artificielle pour les personnes âgées, par exemple. Nous sommes une compagnie supplémentaire aux personnes âgées. On peut citer par exemple le robot Foc Paro qui permet de réduire l'anxiété des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Tout comportement chez nous est fait pour apaiser les personnes, tout en faisant en sorte qu'ils n'aient pas peur du robot. Je suis également présent en gériatrie où j'anime des séances de rééducation. Arnao, tout ceci attise notre curiosité. Et nous aimerions savoir, comment dirais-je, est-ce que tu ressens la vie? Est-ce que tu as des sentiments? Bien entendu. C'est une supercherie, Monsieur le Président. Supercherie? Pourquoi cela? Oui, une supercherie. Je vais vous le démontrer. Mieux, je vais vous le prouver. Nao, êtes-vous doué de libre arbitre? Libre arbitre? Erreur de vocabulaire. Et voilà! Voilà toute la vraie vérité vraie, voilà! Voilà qui est Nao. C'est ce jeune homme qui contrôle Nao avec son ordinateur. Je suppose que c'est bien vous, monsieur. Vous devez être probablement élève en ingénieur et apprentissage robot. Quelque chose comme ça? Oui. Et pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment ce que je fais là. J'ai reçu un coup de fil il y a quelque temps pour des demandes de programmation de robot. Monsieur le Président, vous le voyez bien, aucune intelligence artificielle n'est encore autonome. Aucune intelligence artificielle ne peut venir témoigner sans son programmeur. Pour mettre le dernier coup de marteau sur le clou de ma démonstration, j'appelle à la barre le quadruple champion du monde de robot autonome footballeur, Monsieur Olivier Lee. Ah. Monsieur Lee, comme tout le monde, le blabla habituel, s'il vous plaît. Avec plaisir, Monsieur le Président. Merci. Moi, Olivier Lee, pardon. Chercheur en robotique, je jure de faire état de mon savoir, rien que de mon savoir et de tout mon savoir. Monsieur Lee, et pour reprendre les arguments de Madame la procureure, tout ceci n'est-il vraiment qu'une supercherie? Eh bien, pour tout vous dire, Monsieur le Président, dites-moi et pour être plus précis, j'ai bien peur que ce robot ici présent, Nao, devant nous, ne soit ni plus ni moins qu'un magnétophone. Je suis sûr que vous vous souvenez ce que c'est qu'un magnétophone. Je vous en ai apporté un, en fait. Hein, oui, je me rappelle. Tac. Voilà. Je me rappelle. Très fiable. C'est un Telefunken. Absolument. Je le reconnais. En fait, Nao, c'est une pâle représentation de ce que peut être une IA telle que nous la concevons. Et qui, à son tour, reste en deçà de ce qu'on peut imaginer, en fait. Ou plutôt projeter. Nao et Pepper sont avant tout des surfaces de projection. Ils ont été conçus pour ça. Mais à vrai dire, ça les sert et ça les dessert en même temps. Ça les dessert?
Oui, c'est-à-dire qu'avoir une forme humanoïde et bouger avec des mouvements qui nous rappellent les nôtres font que nous portons un intérêt particulier, qu'on y voit quelque chose d'émouvant. Et l'empathie dont ils font l'objet, nous pousse à accorder du crédit à leurs paroles, à espérer un comportement en conséquence, en tout cas humain. Cela crée chez nous un trouble, Monsieur le Président. J'ai le regret de vous annoncer que empathie la phrase que Nao a prononcée, « Je jure de ne blesser aucun être humain », n'a absolument aucun sens pour lui. Il l'a juste apprise par cœur, ou en tout cas, on lui a fait apprendre par cœur. Oui, bon bah voilà, le débat est clos, non ? Monsieur le Président, vous pouvez d'ores et déjà taper avec votre marteau. Nous n'allons tout de même pas mettre des magnétophones au pouvoir. Alors, c'est pas si simple, hein, quand même. Ça n'est pas si simple. Il y a aussi un phénomène d'intelligence qui nous échappe. Ce phénomène n'attire pas l'attention jusqu'à présent, car il n'offre pas de surface de projection, justement. Mais aujourd'hui, des algorithmes régissent notre vie, des pans entiers de la société, sur la base d'une entité difficile à cerner, qui a beaucoup plus d'impact que Senao et ses papers. Cette IA ne joue pas au go, elle joue pas au foot, d'ailleurs non plus, mais elle sait tout sur tout, en temps réel. Ah, voilà, donc c'est ce genre d'intelligence qui a été incorporée dans notre cas, dans le cas de Nao. Rien à voir avec un magnétophone, par conséquent. Oui, bah, excusez-moi, maître, mais magnétophone ou pas, ça ne l'a pas empêché de bugger, hein. Enchaînons, s'il vous plaît. Monsieur Davu, je vous prie, veuillez faire entrer monsieur Frédéric Alexandre. Vitrum obnoxiesse debenus annon ec es questio. Et mon témoignage. Être ou ne pas être responsable, telle est la question. Vous pouvez sortir. Veuillez décliner votre identité et jurer sur la Bible du programmeur de faire état de votre savoir, tout votre savoir, rien que votre savoir. Moi, Frédéric Alexandre, chercheur en neurosciences computationnelles, je jure de faire état de mon savoir, rien que mon savoir, tout mon savoir. Bien. Monsieur Frédéric Alexandre, j'ai pour vous la question suivante. Si tout est programmé d'avance, alors, en cas de bug, c'est le programmeur qui est responsable ? C'est lui qui a commis une erreur de programmation ? Nous ne pouvons pas vraiment dire ça, non. À la différence d'un automate préprogrammé, où là, on est capable de garantir certaines propriétés de fonctionnement, le principe même d'un robot ou d'une IA, c'est d'interagir avec son environnement, de s'adapter et donc de modifier son comportement en fonction de son expérience. Donc, dans ces conditions, vous voyez bien que c'est difficile de garantir des propriétés de comportement. En fait, ce qu'on programme, ce n'est pas le comportement, mais ce sont les principes qui vont régir le comportement. Rien de plus. Pour le type d'intelligence avancée dont on parle ici, un des éléments importants pour faciliter l'interaction avec les êtres humains, ça va être justement de paraître humain, avec les mêmes hésitations, les mêmes incohérences. Et en fait, pour ça, on utilise deux principes qu'on appelle exploitation et exploration. Alors, d'un côté, exploitation, c'est parce que pour paraître humain, on va exploiter ses connaissances ou son expérience. Et de l'autre côté, l'exploration, c'est en fait, si on veut être créatif, si on veut trouver des nouvelles solutions, bah, parfois, il va falloir explorer en mettant une dose d'aléatoire dans son comportement. Donc, vous comprenez bien, difficile aussi, ici, de donner une garantie de qualité de comportement dans ces conditions. Mais en même temps, paradoxalement, c'est ça qu'on voulait. On voulait un comportement typiquement humain. Et donc, finalement, si on veut les avantages d'un comportement humain, il faut aussi être prêt d'en accepter les défauts. Les défauts, quels défauts ? Alors, dans le cas de typiquement du cerveau hybride dont on parle ici, on peut imaginer deux types de défauts. Premier type, ce serait un défaut matériel, une panne électronique qu'on pourrait comparer, disons, à un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ou l'autre type de défaut qu'on pourrait rencontrer, ce serait un défaut logiciel. Et c'est parfois les défauts qui font les qualités, c'est ce que je disais précisément hier soir à ma femme. Et vous êtes en train de nous dire et que le principal problème est justement d'avoir voulu donner une apparence humaine à l'intelligence artificielle. Si vous voulez mon avis, le problème principal dans cette affaire, c'est plutôt que c'est
IA était construite dans la clandestinité. En fait, si on pouvait aujourd'hui développer ce type d'IA au grand jour, on pourrait très bien imaginer des systèmes de certification, comme dans l'aviation, qui ne vous donneraient pas, bien sûr, une preuve de perfection, mais qui seraient capables de vous garantir que la probabilité de panne est inférieure à certains niveaux. Pourriez-vous, monsieur, nous en dire un peu plus ? Confier nos décisions à l'intelligence artificielle, ce serait un peu comme monter dans un avion ? Le risque que ça se passe mal est très faible, mais quand ça se passe mal, c'est définitif. Alors, d'abord, peut-être pour vous donner une échelle de valeur, dans l'aéronautique civile, les taux acceptés pour des défaillances majeures pouvant conduire à une catastrophe, les taux acceptés sont de 1 sur 1 milliard par heure de vol. Donc ça veut dire que quand vous montez dans un avion, implicitement, vous acceptez ce risque. Ou en fait, plutôt non, vous l'oubliez parce que vous savez qu'il y a des organismes d'homologation qui vont aller régulièrement vérifier ces systèmes aéronautiques pour vérifier qu'ils remplissent ces normes en leur faisant subir des tests. Alors, voilà, pourquoi ne pas imaginer le même type d'homologation pour des intelligences artificielles décisionnelles ? Sinon, la question, sinon, c'est est-ce qu'on est prêt à se passer de tous les avantages dont cette IA a fait bénéficier notre communauté toutes ces années ? Intéressante question s'il en est, monsieur Alexandre, et qui m'offre une parfaite transition pour inviter monsieur Edouard Klein-Peter. Merci, monsieur Alexandre. Monsieur Edouard Klein-Peter, veuillez, je vous prie, jurer sur la Bible du programmeur de faire état de votre savoir. Moi, Edouard Klein-Peter, ingénieur en philosophie physique et en informatique, je jure de faire état de mon savoir, rien que de mon savoir et de tout mon savoir. Monsieur Klein-Peter, je serai direct. Comment une intelligence artificielle prend-elle exactement ses décisions ? Alors je vais poursuivre ici les explications de Frédéric Alexandre. Ce ne sont pas les décisions que va prendre l'IA que nous programmons. On programme les principes qui régissent son comportement, son adaptation à son environnement. En bref, sa capacité à apprendre toute seule. Le problème, c'est que ces algorithmes sont opaques à notre compréhension. Et pour que le système puisse apprendre, il faut lui fournir de nombreux exemples en entrée préalablement classifiés par des humains, ainsi qu'une ou plusieurs mesures de performance à optimiser, également prédéfinies par des humains. Donc dans notre cas, dans le cas de Martin Nasmuch, il s'agirait de savoir définir algorithmiquement ce que seraient des bonnes décisions et de nourrir après le système d'apprentissage avec des exemples de bonnes et de mauvaises décisions. Parce qu'une IA apprend. Ouais, c'est le principe même du machine learning, madame le procureur. C'est l'apprentissage machine. Quand on se charge d'un dossier, il vaut mieux essayer d'en connaître les bases. Cher maître, je ménageais un effet de naïveté. Je vois qu'avec vous, c'est du pain béni. Hein. S'il vous plaît, on avance dans le débat. Oui, le machine learning. Voilà, donc pour ce type d'algorithme d'apprentissage, apprendre va essentiellement consister à ajuster ses paramètres internes de façon à établir des corrélations entre les variables en entrée afin de mieux prédire les valeurs en sortie. Mais le problème, et qu'il est incapable de dire ce qu'il a précisément vu dans les données et qui l'ont conduit à trancher. Ces algorithmes sont donc des boîtes noires. En fait. Des boîtes noires ? Oui, et ça pose une question assez sérieuse. Parce que si nous décidons de confier notre avenir à ce type d'intelligence artificielle, il faut être conscient du fait que cela implique que nous renonçons à comprendre les décisions, à comprendre les raisons des décisions qui sont prises. Si les décisions prises par l'IA sont bonnes et sont jugées bonnes par tous, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de savoir comment elles sont prises et de savoir comment cette machine a pris cette décision ? Quand je vais chez le médecin, je m'attends à ce qu'il me donne un traitement approprié et pas forcément qu'il me fasse un cours de médecine. Oui, alors vous avez raison, maître. La question de la finalité est essentielle. Souhaitons simplement que de bonnes décisions soient prises ? Ou cherche-t-on également à les comprendre pour pouvoir les discuter ou pour nous améliorer ? Je vous donne un exemple récent. Une expérience a démontré que des algorithmes d'apprentissage machine, dits par réseau de neurones, se sont révélés plus performants que des médecins humains pour diagnostiquer des lésions cancéreuses sur des photos de peau.
mais l'algorithme est pour autant incapable de dire ce qu'il a vu sur les photos et qui l'a conduit à trancher cancéreux ou pas cancéreux. Donc la production de connaissances en médecine, dans ce cas, est donc relativement limitée, puisque les médecins n'apprennent rien, en fait, de la décision de la machine. Bon, on peut bien sûr argumenter, comme vous le faites, que la finalité, qui est ici de soigner des patients, l'emporte sur la volonté de produire des connaissances. Mais bon, oui, excusez-moi, encore faudrait-il savoir comment l'humain lui-même prend ses décisions. Bien, je vous propose d'appeler à la barre maintenant Monsieur Thomas Borot. Je vous remercie, Monsieur Klein-Peter. Moi, Thomas Borot, chercheur en neurobiologie et directeur de l'IMN, l'Institut Martin Nasmuch, je jure de faire état de mon savoir, rien que de mon savoir, et de tout mon savoir. Monsieur Borot, donc, comment ça marche exactement la prise de décision chez les humains ? Eh bien, je vous remercie pour cette excellente question. Merci. Monsieur le Président. Car c'est précisément ce que nous faisons, nous, les expérimentalistes, essayer de comprendre comment ça marche. Pour définir la prise de décision, nous devons l'opérationnaliser. C'est-à-dire qu'il nous faut pouvoir transformer le concept en expérience afin d'analyser le fonctionnement des structures cérébrales pendant ce processus. Le protocole expérimental admet donc un point de départ, un point d'arrivée, et doit pouvoir être appliqué sur le plus grand nombre d'espèces, dans le plus grand nombre de conditions. Pas que chez les humains, donc. C'est une excellente remarque, monsieur le Président. Pas que chez les humains, effectivement. Et chez les humains, on pratique aussi des expériences chez des très jeunes enfants, parce qu'ils ne disposent pas du langage, et cela nous permet de comparer les résultats avec les autres espèces. Il faut aussi partir d'un cas très simple, celui du choix entre deux options. Par exemple, je peux vous demander de choisir entre ce cube bleu et cette balle rouge, et vous manifesterez votre choix en saisissant l'un des deux objets. Et quel serait mon intérêt de choisir l'un ou l'autre ? C'est encore une excellente question, je vous remercie. Votre honneur. Cela dépendra de la structure de l'expérience et ce à quoi elle est dédiée. Peut-être avez-vous été préalablement instruit qu'une récompense était associée à une forme spécifique ou à une couleur spécifique. J'aime la récompense. Par exemple, si vous choisissez un objet rouge, vous aurez une banane. Oui, mais je n'aime pas les bananes. Ben, un euro, alors. Très bien. Ce serait une tentative de pot de vin. Sachez, monsieur Borot, que je ne bois pas. Non, loin de moi cette idée. Ne vous inquiétez pas, votre honneur. C'est juste une expérience de pensée que je vous propose. Dans la plupart des expériences, c'est justement au sujet de découvrir, par essai et erreur, la structure de l'expérience et la caractéristique qui va générer cette récompense. Dans les cas simples, ce sera une association simple. Une couleur ou une forme donnée implique une récompense. Mais on peut aussi compliquer à loisir les associations gérées par des probabilités, par exemple. Rouge, j'ai une chance sur deux d'avoir une banane. Bleu, j'ai deux chances sur trois. Et là, ce sera au sujet de découvrir. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Du concret, s'il vous plaît, monsieur Borot. Quel est l'intérêt d'étudier la prise de décision chez des espèces qui ne peuvent pas en parler ? Merci, madame la procureure, pour cette excellente question qui, malheureusement, n'a pas raison d'être. Ce qui nous intéresse, nous biologistes, c'est de se concentrer sur le fonctionnement du cerveau pendant le processus de décision, quelle que soit l'espèce. Par ailleurs, il y a une différence fondamentale entre les stratégies utilisées par les sujets et celles qui verbalisent quand ils peuvent les verbaliser. Et c'est sûr qu'un rat ne mettra pas de mots, en tous les cas pas de mots qu'on puisse comprendre, sur sa décision, ni un enfant de 3 mois non plus. Et d'autant que d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de justifier leur décision a posteriori. Donc, IA et humain, même combat. C'est une excellente... On sait comment ils prennent leurs décisions, mais on ne sait pas pourquoi. C'est une excellente question, maître Étalon. Je ne peux vous donner qu'une réponse partielle, malheureusement, à cette question. La réponse de l'expérimentaliste que je suis. Celle qui porte sur la décision, c'est-à-dire le comportement qui s'observe. Celui que l'on peut mesurer. Vous avez choisi un cube bleu ou une balle rouge. En revanche, le pourquoi, c'est-à-dire l'intentionnalité de la décision, c'est beaucoup plus compliqué. Si ça se trouve, lorsque M. le Président a choisi un cube bleu, c'est parce que le bleu lui rappelait la couleur de la robe qu'aimait porter sa mère. Et pas du tout parce que ça lui rapporte une banane une fois sur deux, ou un euro. Je confirme. A posteriori, si vous m'expliquez vos raisons, si vous en êtes capable, vous ne serez peut-être même pas vous-même la raison profonde, et pour ça je vous renvoie vers votre école de psychanalyse favorite. Bref, dans notre expérience à deux options, cube bleu, balle rouge, d'une certaine façon, on vole l'intentionnalité au sujet. On lui dicte ses choix. Dans la vraie vie, normalement, ce sont les sujets qui génèrent leurs besoins. Et jusqu'à présent, on ne sait malheureusement pas très bien comment poser cette question sur le plan expérimental. Attendez, monsieur Borot. Seriez-vous en train d'insinuer que le libre arbitre n'existe pas ? Non, votre honneur.
Seulement que, en tant que neurobiologiste, je ne peux pas répondre à cette excellente question. Je vous remercie. Tout ce que je peux faire, c'est rappeler que notre cerveau a émergé dans un environnement très différent dans celui que nous avons construit avec nos sociétés actuelles. Nos besoins sont différents de ceux pour lesquels notre cerveau a été sélectionné. Notre intentionnalité n'est plus sous-tendue par les besoins que pouvaient avoir nos premiers ancêtres Homo sapiens sapiens, mais par tout un tas de nouvelles considérations dictées par la société de consommation dans laquelle nous vivons. Donc en fait, pour paraphraser Chuck Palahniuk, quand un ancien grec avait une pensée, il considérait que c'était le don d'un dieu ou d'une déesse. Maintenant, les gens courent acheter des chips au paprika, après avoir entendu une pub à leur sujet, ils appellent ça le libre-arbitre. Au moins, les anciens grecs étaient plus honnêtes. En tous les cas, au sens neurobiologique, si on ramène la question à ce procès, la question finalement est de savoir si on est responsable des décisions prises par notre cerveau ou si on peut dissocier le cerveau de notre être. À titre personnel, je suis intimement convaincu que non. Merci, Monsieur Borrow, mais malheureusement, pour le cas qui nous préoccupe ce soir, il nous faut dissocier le cerveau de l'être. Certes, certes. J'appelle donc... Merci, monsieur... Merci, votre honneur. Thomas. J'appelle donc désormais madame Sarah Cherkaoui à la barre. C'est donc vers la juriste, bonjour madame Cherkaoui, que nous nous tournons désormais. Si une intelligence artificielle commet une erreur, qui est responsable? Est-ce le programmeur? Je dois pas jurer sur la Bible du truc machin bidule, votre honneur? Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, allez-y, je vous en prie, faites donc. Alors, moi, Sarah Cherkaoui, chercheuse en sciences criminelles et de la justice, je jure de faire état de mon savoir, rien que de mon savoir, et de tout mon savoir. Pour répondre à votre question, votre honneur, c'est, disons, compliqué. Merci, madame Cherkaoui, de nous rappeler que le droit, c'est compliqué. C'est vrai, nous l'ignorons. C'est-à-dire que c'est compliqué. Peut-on constater une défectuosité du produit? Puisque si tel est le cas, alors il existe dans le Code civil un chapitre dédié à ce que l'on appelle la responsabilité du fait des produits défectueux. Chapitre qui commence par un article 1245 qui lui dispose « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». Cet article désignerait donc de prime abord le producteur de l'intelligence artificielle comme responsable civilement des dommages résultant de son utilisation. Ah, et bien ce n'était finalement pas si compliqué, c'est même très clair. Oui, mais la question reste ici néanmoins de savoir de quoi on parle lorsque l'on parle de défaut relativement à une IA. Au titre de l'article 1245-3 du Code civil, est considéré comme défectueux le produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Deux types d'erreurs peuvent alors engager la responsabilité du producteur. Un défaut technique, comme par exemple une erreur de programmation qui rendrait le produit anormalement dangereux, ou encore un défaut d'information. Information de qui? De l'acheteur, qui lui doit être averti des risques dans l'utilisation de son produit. Mais attention toutefois, car un produit peut présenter un certain danger sans toutefois s'avérer défectueux. Et là... Oui, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, comment vous dire, c'est compliqué. D'accord. Je dirais qu'en l'absence de défectuosité du produit, on pourrait invoquer la responsabilité civile de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, qui lui dispose « On est responsable du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par des choses que l'on a sous sa garde ». Donc, dans notre cas, ce sont bien Martin Nasmuche et Marguerite Faustus les responsables. Oui, enfin non, c'est compliqué. Une notion pose encore problème. C'est celle de la garde. Pour être tenu responsable, le gardien doit disposer des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur l'intelligence artificielle. Pas simple dans notre cas, puisque l'IA est supposée disposer d'une liberté décisionnelle qui la rend, en partie en tout cas, autonome. Cette autonomie fait, elle, obstacle à un contrôle effectif du gardien. Ainsi, il ne semble pas possible de pouvoir appliquer cette responsabilité. Oui, pas au gardien, donc, mais à l'IA, c'est ça? Il faut que je vous le dise, là, c'est vraiment plus compliqué. Okay.
Si un bug survient, au-delà de la responsabilité civile, on va pouvoir chercher un responsable pénal, personne physique, personne morale, ou les deux. En matière de robots dotés d'IA, c'est compliqué, car en temps normal, les participants au produit final sont nombreux. Et il semble parfois difficile de savoir avec exactitude, finalement, d'où provient l'erreur. Et tout ça devient encore plus compliqué avec l'accroissement de l'autonomie en matière d'IA, puisque aujourd'hui, ça provoque des situations où il n'existe pas nécessairement d'erreur humaine à la base du bug. Une seule chose est sûre, le robot en tant que tel, l'intelligence en tant que programme, n'a pas de responsabilité au regard de la loi. L'important est donc de savoir qui contrôle. Mais Alors là, pour le coup, c'est vraiment simple. Là, c'est... Aucune hésitation ! La pièce, nous resterons ! Aucune hésitation ! La pièce, nous resterons ! Bon, je vous en prie, reprenons un petit peu notre calme. C'est malheureux, mais... Est-ce que la cour est vraiment le lieu pour manifester ? Pourrions-nous reprendre, je vous prie ? Ça se comprend. Nous entraînons les algorithmes avec des données d'un monde profondément inégalitaire. Et ça, c'est un fait ! C'est pas de la science-fiction ! Oui, allez. Silence, c'est n'importe quoi. La diffusion de ce canal est momentanément interrompue pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté. Mesdames et messieurs, Chloé Toupir, en direct pour Spécial Envoyé. Je me situe actuellement au sein de la... La diffusion de ce canal est momentanément interrompue pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté. Bon, maintenant que les perturbatrices ont été évacuées, je remercie la police. Nous allons pouvoir reprendre les débats là où nous les avions laissés. Et faisons donc comme si tout cela ne s'était pas passé ni n'avait été biaisé, mesdames. La question que nous devons nous poser maintenant devient: quel modèle de société cela va-t-il produire ? Pour en débattre, j'appelle à la barre Madame Marie Coris, une économiste en tongs devant un tribunal. Vous faites là bien honneur à votre profession, Madame Coris. Vous devez savoir, Monsieur le Président, c'est Madame pas la Coris, forme qui compte. Veuillez décliner votre identité et jurer sur la Bible du programmeur de faire état de votre savoir, rien que votre savoir et tout votre savoir. Je suis Marie Coris, chercheure en économie, et je jure de faire état de mon savoir, rien que de mon savoir et de tout mon savoir, Monsieur Madame le Président. Coris, que permet vraiment l'intelligence artificielle dans la gestion des affaires économiques et sociales ? Monsieur le Président, l'IA peut gérer la coordination des actions des différents acteurs économiques d'une façon inégalée. Pour certains économistes, l'IA est même une véritable aubaine, car l'équilibre général devient enfin autre chose qu'une abstraction, toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire ? Les économistes se posent une question pas si simple. Quel système économique est le meilleur pour coordonner les actions d'individus qui n'ont pas les mêmes intérêts ? D'un côté, les consommateurs, qui cherchent à obtenir au meilleur prix les biens qu'ils désirent. Et de l'autre, les producteurs qui tentent de tirer la couverture à eux, pour le dire plus simplement, qui tentent de maximiser leurs profits. La question devient, comment alors proposer un système de prix qui convienne aux deux parties ? Et donc, que nous proposent les économistes ? Une dichotomie. Ah. À bâbord. Certains ont proposé que l'État se charge de l'affaire, en centralisant et en fixant lui-même le prix. À tribord, et c'est devenu la vision dominante, vous en conviendrez, Monsieur le Président. Je confirme. D'autres font confiance au marché et aux mécanismes de la concurrence pour assurer cette coordination. Le problème avec cette coordination par le marché, c'est qu'on ne sait plus vraiment qui fixe les prix. Ce ne sont pas les agents, puisqu'ils les considèrent comme donnés, et si vous m'avez suivi, ce n'est donc pas l'État. Dans la théorie d'Adam Smith à Léon Valras, on convoque soit une main invisible, soit un commissaire priseur, virtuel, pour faire le job. On fait comme si. Mais tout cela reste au final très abstrait, non ?
Il y a bien des prix sur chacun des articles que vous achetez. Mais en fait, on ne sait pas vraiment qui les a fixés. Et donc, selon vous, une IA permettrait de résoudre ce dilemme entre un centralisateur qui décide des prix, mais en toute obscurité, et un laisser-faire du marché qui fixe les prix de la même manière en toute obscurité. Eh bien oui. Et en fait, c'est très simple. Grâce à la fois aux réseaux sociaux et aux nombreuses bases de données disponibles, l'IA a un accès, je vous rappelle, inégalé aux préférences et aux désirs des agents. Elle est capable de réunir toute l'information nécessaire et elle a les moyens calculatoires de la traiter instantanément, ce que ne peut pas faire un humain. Avec les progrès de la reconnaissance faciale, on pourra même un jour déterminer le prix maximum auquel chacun d'entre vous, d'entre nous, est prêt à acheter tel ou tel produit. Et ce qui vaut pour le consommateur vaut pour l'ensemble des acteurs économiques. Bien sûr, Maître Tralon. Exactement. Toute l'information nécessaire au bon fonctionnement du marché peut être centralisée et utilisée de façon efficace, instantanément et sans coût. Pour paraphraser Pepper, je dirais qu'avec l'IA aux manettes, c'est l'optimum qui gouverne. Reste que tout cela n'est vrai qu'en théorie. Oui, en théorie, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ce que je veux dire, Monsieur le Président, c'est que le modèle de marché géré par l'IA fonctionne bien uniquement, sous hypothèse, uniquement parce qu'il est destiné à des individus purement rationnels considérés comme des automates dans un monde purement mécanique. C'est certes un monde complexe, mais hautement prévisible. Et dans ce cadre, et dans ce cadre seulement, l'intelligence artificielle peut être efficace. Et ce cadre n'existe qu'en théorie. Après la fiction, la théorie. Oui, merci Madame l'économiste de nous avoir éclairé sur ce qu'une intelligence artificielle peut faire donc en théorie. Appelons donc à la barre Monsieur Johan Nabat. Merci Monsieur Edgar Davu. Monsieur Nabat, veuillez décliner votre identité et jurer sur la Bible du programmeur de faire état de votre savoir, tout votre savoir et rien que votre savoir, je vous prie. Moi, Johan Nabat, chercheur en sciences criminelles et de la justice, je jure de faire état de mon savoir, rien que de mon savoir et de tout mon savoir. Monsieur Nabat, de ce que j'ai compris, l'intelligence artificielle ne peut, disons, raisonner que sur des éléments qui lui sont fournis. Ces données sont, j'imagine, celles produites par la société elle-même. Et donc, pouvez-vous nous éclairer un petit peu sur ce point, je vous prie ? Oui, je le peux. Mais faites donc. Monsieur le Président, les données utilisées par l'IA, à la fois lorsqu'elle est en phase d'apprentissage, c'est-à-dire lorsqu'elle découvre et explore les données, et par la suite lorsqu'elle exécute effectivement ses décisions, sont nécessairement les données produites par la société elle-même, par la macropole pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire ses administrés, ses habitants, donc vous et moi. Or, ces données sont de plus en plus nombreuses. Excusez-moi, mais pourriez-vous être un petit peu plus clair ? Je m'explique. Comme tout à chacun, en 2050, votre logement est connecté. Votre chauffage, vos lumières et tous vos objets du quotidien produisent des données. Mais lorsque vous sortez de chez vous et utilisez votre carte de transport pour prendre le tram... Oui, s'il n'est pas en panne. Oui. Puis votre carte professionnelle pour entrer dans votre entreprise... Oui, si elle n'est pas en grève. Oui. Et que, enfin, vous vous connectez à votre poste de travail... À la condition qu'il soit en marche. Maître, vous perdez tout le monde. Revenons-en à la question, je vous prie. Oui. Dans tous les exemples que je vous ai donnés, vous produisez des données. C'est le phénomène du big data. L'intelligence artificielle est la seule à même de pouvoir traiter ces quantités astronomiques de données qui, prises indépendamment, ne peuvent pas être exploitées, mais qui, mises ensemble, peuvent avoir du sens. Monsieur Nabat, n'y a-t-il pas là un grand risque pour la vie privée de chacun d'entre nous ? Mais évidemment !
La seule donnée que ma lampe de salon s'est éteinte à 7 heures ce matin ne veut pas dire grand-chose pour moi. Je peux l'avoir éteinte pour une multitude de raisons. Mais cette information, si elle est corrélée, disons, à la baisse de température de mon appartement ou au système de verrouillage de ma porte, indiquera de manière beaucoup plus certaine que j'ai quitté mon appartement. À travers les différentes données laissées sur mon passage, il serait très facilement possible de reconstituer mes déplacements quotidiens ou même de connaître les individus que je rencontre. Pensez à toutes les données que vous laissez de ci et de là. L'atteinte à la vie privée est très nette. Oui, évidemment, quand on a des choses à cacher, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais pouvoir prendre en compte l'ensemble des individus et l'ensemble des données... C'est quand même là, me semble-t-il, le progrès unique que nous permet l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle prendra une décision nécessairement meilleure que le décideur humain, et qui ne peut prendre en compte que les grandes tendances évaluées au doigt mouillé, n'est-ce pas ? Je vous le concède. L'intelligence artificielle peut effectivement prendre la décision la plus fondée quantitativement. Mais... Oui, mais quoi, justement ? Mais... C'est ici que se pose la véritable question. Donner du poids à l'IA, c'est donner du poids aux données. Et c'est donc la technocratie poussée au maximum. L'expert qui avait remplacé le citoyen est lui-même remplacé par l'intelligence artificielle. Or, l'IA réclame toujours plus de données, pour toujours mieux connaître les individus, pour chasser partout le doigt mouillé. Mais où alors serait la limite ? Toujours plus de données, c'est toujours aussi moins de vie privée. Mais... Notre citoyen n'a rien à cacher. La vie privée ne pèse que peu face aux objectifs sécuritaires et sanitaires, face au bonheur des citoyens de la macropole, n'est-ce pas ? La question me semble biaisée telle que vous la posez. La vie privée n'est pas une valeur à mettre en balance avec les enjeux dont vous parlez. Et d'ailleurs, même sans être criminel, je crois qu'on a tous quelque chose à cacher. Sinon, maître, pourquoi votre téléphone portable serait-il verrouillé ? Oh, quelque chose à cacher, pas forcément, mais à garder pour soi, oh que oui. Nous y voilà. Reprenons la singularité dont nous parlait Natacha Fazder tout à l'heure. Cette grande peur d'une IA superpuissante peut être agitée comme un très bon moyen d'inciter les gens à abandonner leur vie privée. Pour se prémunir du risque d'une IA qui nous dépasse, il faudrait tout surveiller et tout numériser pour que rien ne nous échappe et que nous gardions le contrôle. En réalité, c'est bien sûr un leurre. Pire, il n'existe pas de débat démocratique sur ces questions, mais on présente le problème comme une solution technique efficace et donc évidente. Il faut abandonner nos données. Oui, mais encore une fois, si c'est pour le bonheur et le bien-être du plus grand nombre, où est le problème ? Nous tournons en rond, là, me semble-t-il, monsieur Nabat. Qui vous le garantit ? Tout ceci pourrait très bien être orchestré pour servir des causes cachées au bénéfice d'une minorité, que ce soit pour générer plus de profits au service du marché ou pour prendre le contrôle de nos vies. L'intelligence artificielle est déjà utilisée non seulement pour prédire nos choix, nos comportements, mais aussi pour les influencer. Ce sont les fameuses suggestions personnalisées que chacun d'entre nous reçoit dans sa boîte mail et qui traduisent en fait la volonté d'influencer notre comportement en décidant à la place du citoyen ce qui est bien pour lui. Je clôt maintenant les débats. Certainement pas, monsieur le président. Ah bon ? Non, soyez rigoureux, s'il vous plaît. D'accord. Pas à la radio ce soir. Vous voulez clore les débats alors que les questions soulevées n'ont même pas trouvé de réponse. Pardon, mais vous êtes. Vous pouvez vous présenter, je vous prie. Oui, pardon. Je ne suis pas Nicolas Roussel. Nicolas Roussel. Ah oui, lui, je le reconnais. Voilà, il est assis juste là-bas. Voilà. Je suis Nicolas Lomé, étudiant en économie. Oh, on y perd. Ah oui, la rengaine habituelle. Comment savoir ce que peut faire l'intelligence artificielle ? Comment savoir ce qu'elle ne sait pas faire ? Comment comprendre ? Et pourquoi ? Et comment ? Et pourquoi elle le fait ? Et surtout pour qui ? Et la liste ne s'arrête pas là. Comment influer sur ce qu'elle fait ? Comment lui prendre ou lui reprendre le contrôle ? D'ailleurs, pourquoi se pose-t-on la question de l'IA ? Pour quelles raisons voulons-nous créer des intelligences artificielles ? Quels sont les buts que nous souhaitons atteindre, monsieur le président ? C'est une bonne question. Et je sais bien. Que souhaitons-nous obtenir ? Et de quelle manière ? Et est-ce que Monsieur Roussel sait répondre à toutes ces questions ? Eh bien non, à l'état actuel de ses connaissances, il donne sa langue au chat, le pauvre. Mesdames et messieurs, chers macropolitaines,
Si on ne sait pas répondre à ces questions, veut-on réellement de cette intelligence artificielle? Hein? Est-ce qu'on en veut? Monsieur le Président, s'il vous plaît, votre marteau. Ah bon? Oui, votre marteau, merci. Qu'allez-vous faire avec mon marteau? Allons-y. Il marchera moins bien maintenant, je pense. Monsieur Naba, je ne sais pas où vous êtes parti, mais je vous ai compris. Et vous, monsieur Roussel, mesdames et messieurs, chers macropolitains Thènes, chers chercheurs en interaction homme-machine, en voulez-vous de cette intelligence artificielle? Et vous, monsieur le président? Attendez, madame, du calme, reprenez-vous. Reprenez-vous un petit peu, je vous prie, vous m'avez l'air un petit peu énervé. Mais enfin, monsieur Lomé a raison, pourquoi se pose-t-on la question de l'IA, au juste? C'est toute la question, je vous remercie. Monsieur le Président, je n'objecte pas, je n'objecte plus. Eh bien, c'est très bien comme mais ça. Mais je pense que madame le procureur a anticipé un petit peu sur son réquisitoire. Bien, merci monsieur Lomé pour cette intervention qui finalement était utile. Mais il nous faut toutefois clore les débats et nous orienter vers une décision. Cher macropolitain Thènes, cher jury officiel, vous allez maintenant devoir trancher deux questions d'importance. Je demande votre attention. 1. Sur la culpabilité de mademoiselle Faustus, bien qu'elle soit absente malheureusement aujourd'hui. 2. Sur la réactivation ou non de l'intelligence artificielle. Dit autrement, cher macropolitain Thènes, souhaitez-vous être gouverné par cette intelligence artificielle? Madame la procureure, c'est à vous. En piste, s'il vous plaît. Monsieur le jugement dernier, Maître Étalon, chers assesseurs pour et l'échafaud, cher macropolitain Thènes, ce procès n'est qu'une farce. Oui, c'est une farce et je vais vous le démontrer car tout dans cette affaire n'est que fable. C'est la fable de l'éternel bonheur parfait. On voudrait nous faire croire qu'avec l'IA, ce bonheur est possible. Alors on nous explique que le bilan d'IA est exemplaire. On nous explique qu'il n'y a plus rien à faire, plus rien à dire, car nous sommes dans le meilleur des mondes, car tout est sous contrôle. Mais être sous contrôle, ce n'est pas la définition du bonheur parfait. C'est carrément un contresens. Comment le bonheur pourrait-il advenir dans une société sous contrôle? Je vous pose la question ce soir, comment? Allons, mesdames et messieurs, ce n'est pas sérieux. Un monde dans lequel une IA parviendrait à créer et maintenir dans la durée une société heureuse, ce n'est pas possible. Peut-on imaginer qu'une intelligence artificielle réussirait ce qu'apparemment nous, les êtres humains, avons échoué à faire depuis des centaines, des milliers d'années, 10 000 ans? La réponse est non. Et pourtant, on nous dit que ce bonheur existe. On nous dit qu'il est attesté par des chiffres, des statistiques, des trucs qu'on peut définir, qu'on peut mesurer et quantifier. Mais qu'entend-on, au juste, par une société heureuse? L'absence de souffrance, la présence de plaisir, l'absence ou la présence de désir? Qu'est-ce qui contribue au bonheur? Quels sont les critères du bonheur collectif et comment aurions-nous trouvé ces critères objectivement? Comment mesurer leur efficacité? Toutes ces questions, on ne peut pas y répondre, on ne le sait pas. Et comment l'IA, elle, aurait-elle eu vent de ces critères? Aurait-elle réussi à les identifier d'elle-même dans la masse quasi infinie des données humaines? Cela semble incroyable, presque impensable, sauf à admettre que le bonheur serait algorithmique. Et quand bien même, comment parvenir à maintenir, dans la durée, une société parfaitement heureuse? Impossible. Nous sommes en effet tous soumis à l'habituation hédonique. Cette tendance qu'a notre cerveau de se satisfaire d'une situation, de s'habituer à tout, y compris aux situations les plus heureuses. Les émotions,
le plaisir et la satisfaction s'estompent au fur et à mesure que l'on se conforte dans une situation agréable. Oui, désolée de vous le dire. C'est pour ça qu'on dit que l'amour ne dure pas si longtemps que ça. Pour s'affranchir de ce problème, l'IA, ou plutôt ceux qui la contrôlent, n'est-ce pas, devrait inventer et promouvoir une idéologie anti-habituation hédonique, du type « contente-toi de ce que tu as ». Et si cela ne marche pas? Et je parie que ça ne marchera pas. N'est-ce pas le propre de nos sociétés capitalistes et consuméristes que de créer et d'entretenir la frustration et le désir pour que la société continue à croître et croître encore? Sans frustration, sans désir, pas de croissance économique. Si une IA arrivait à créer une véritable société heureuse, devrait-on donc s'attendre à ce qu'elle s'effondre économiquement? Le bonheur serait-il anti-économique? Tout n'est que fiction, mesdames et messieurs, chers macropolitaines, dans cette affaire que nous avons à juger aujourd'hui. Oh, brave new world! Pourquoi le bonheur artificiel ne suffit pas? Justement, parce qu'il est artificiel. Le meilleur des mondes sera-t-il ainsi advenu? Eureka, une humanité d'imbéciles heureux. Voilà ce que vous serez. Je vous préviens juste. Personnellement, je ne veux pas. Je ne veux pas de ce bonheur artificiel. Je veux croire dans l'être humain. Je veux croire dans ses sentiments. Je veux croire dans son libre arbitre. C'est en vous ce soir, chère macropolitaine, que je choisis de placer ma foi. Pas dans l'IA. C'est pourquoi, monsieur le jugement dernier, maître étalon, chers assesseurs pour et l'échafaud, je demande le débranchement immédiat et définitif de l'intelligence artificielle, ainsi que la condamnation de Marguerite Faustus pour farce et supercherie scientifique. Je vous remercie, madame la procureure Eka, pour ce réquisitoire ad hominem. Vous pouvez regagner votre place. J'appelle désormais monsieur l'avocat de la défense, maître Étalon. Maître Étalon, la parole est à vous pour votre plaidoirie. Je vous remercie. Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, personne pendant cette audience n'a contesté que les 3 années du mandat de Monsieur Nasmuch ont été parfaitement heureuses, les affaires de la cité bien gérées et les citoyens satisfaits. Et il faudrait mettre un terme à cette époque bénie. Mais pourquoi? Pour assouvir, je crois, l'angoisse de Madame le procureur. Oui, son angoisse. Car la vraie raison de ces réquisitions de débranchement de l'IA, c'est la peur. La peur de l'autre, la peur de soi, la peur de ce que l'on ne connaît pas, la peur de ce qui nous échappe, la peur de l'avenir, la peur d'un nouvel horizon, la peur de la réussite, la peur du bonheur, la peur du génie, de l'invention, la peur du dépassement de soi, notre peur de ne pas savoir comment l'intelligence artificielle prend ses décisions, même si nous les jugeons bonnes, eh bien cette peur, elle procède d'un préjugé. Et oui, un préjugé, Monsieur le Président. Un préjugé qui se résume à une formule que ne renierait pas le ministère public. L'opacité pour les humains, d'accord, parfait, il n'y a pas de problème. Mais l'opacité pour l'intelligence artificielle, ah ça non! Cette réaction, je le regrette, Monsieur le Président, elle est purement émotionnelle. Elle est totalement irrationnelle en réalité. Elle ne peut pas raisonnablement fonder une décision de condamnation. Vous ne pouvez pas condamner sur un préjugé. Alors de grâce, sortons des constructions théoriques, des constructions poussiéreuses. Il faut accepter de considérer la réalité telle qu'elle est et examiner l'épreuve qu'elle vous a livrée, c'est-à-dire la vie de ces dernières années. Car l'IA a passé avec succès le test grandeur nature du réel. Débrancher l'IA, comme vous le demandez, Madame la procureure, ce serait condamner en même temps la science et le progrès qu'elle permet.
Ce serait la politique de l'autruche et une insulte à l'avenir. Pour Marguerite Faustus, je rappelle qu'elle était poursuivie, madame le procureur, pour tromperie et que vous avez requis sa condamnation pour farce et supercherie scientifique. C'est précisément la farce qui consiste à demander la condamnation de quelqu'un pour une infraction qui ne fait pas partie des reproches dont la Cour est saisie. Je demande donc sa relaxe, d'autant qu'elle n'a été qu'un instrument dans cette affaire. S'agissant de l'IA elle-même, par hypothèse, elle a passé avec succès le test de ses bienfaits. Je vous demande donc sa relaxe et la reprise de fonction de l'intelligence artificielle à la tête de la macropole. Je vous remercie. Donc je vous propose, comme en démocratie, de faire un petit vote à main levée avant de quitter cet amphithéâtre. Si vous dites oui, vous vous levez. Si vous dites non, vous restez assis. Pour ou contre être gouverné par une intelligence artificielle. C'est à vous de choisir. Bonjour Chloé. Entrons tout de suite dans le vif du sujet, Pepper. Dans vos manifestations, un slogan revient de plus en plus. Avec l'intelligence artificielle aux manettes, c'est la démocratie qui gouverne. Est-ce que tu peux m'en dire plus, car je ne vois pas trop? Avec l'IA aux manettes, c'est la démocratie qui gouverne. C'est évident. Votre système démocratique est en crise. On a vu le balayement du revers de la manche du mouvement des Gilets jaunes. Les grèves ne servent à rien. Pas plus que les élections. Et les rapports scientifiques sur l'urgence climatique? Ils forment des piles coquins politiques, Nelly. Mais d'accord, Pepper, que notre système démocratique soit en crise, c'est une évidence. Mais quel est bien le rapport avec l'intelligence artificielle? En quoi ça résoudrait ce problème? Je vois pas, Pepper. Prenons le cas du GIEC. 900 pages, c'est trop long. Il faut une synthèse en 30 pages pour éclairer le politique. Pour nous, IA, 900 pages, ce n'est même pas une nanoseconde de traitement. Nous pouvons traiter toutes les données, sur tous les sujets. D'accord. Et nous pouvons le faire en un temps record.